Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne. J'étais parti me faire un café et j'avais oublié de couper l'enregistrement. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en bonne santé. On se retrouve aujourd'hui sur la présentation de The Slurmancer. Donc c'est un titre qui rappelle Diablo, qui rappelle les Diablo, les grandes époques de Diablo 1 en 96 il me semble, sur PC, puis après en 97 sur console. Ça rappelle également la grande époque de Diablo 2. 2000 et 2001 avec l'extension donc Lord of Destruction, et donc en cette année 2021 où est censé sortir Diablo Resurrected, une version de Diablo 2 donc remasterisée pour console et PC, eh bien on a donc juste avant ce titre qui est en accès anticipé. Alors il faudra pas trop attendre, hein, comme le dit l'encart sur la page d'accueil, il ne faudra pas trop attendre grand chose du titre, mais vous verrez qu'il est quand même relativement bien avancé, parce que je trouve qu'au niveau de la musique, au niveau des graphismes, au niveau de l'écriture du jeu, il y a des choses qui sont vraiment intéressantes. Alors j'ai passé quelques heures dessus, je ne vais peut-être pas commencer par faire une nouvelle partie. Je vais vous montrer donc ce qu'il en est pour voir au niveau des pouvoirs. On va faire charger une partie. Et puis on va pouvoir comme ça récupérer le personnage. Alors je vous demande juste quelques secondes, le temps que je termine mon café. Alors on se retrouve donc sur l'écran avec un fossoyeur et sa magnifique pelle donc, et sa lanterne. C'est Pedro le fossoyeur, hein, je vous le présente. Et on a notre personnage, nous, ici, donc une sorte de mage. On peut incarner trois personnages différents, hein, les grands classiques de l'Heroic Fantasy, notamment dans le hack and slash, c'est-à-dire l'équivalent du guerrier barbare, qui va attaquer vraiment corps à corps. Le magicien ou la magicienne, qui va attaquer plutôt à distance, et bien sûr, archer, pareil, à distance, avec des flèches. Voilà, je terminerai le petit kawa tout à l'heure. Alors, donc là, on a Pedro, donc le fossoyeur. Donc, alors, qu'est-ce qu'il nous dit, lui ? Sombre est la nuit, Pedro, fossoyeur sinistre, d'accord. Comment ça se présente ? On a un inventaire, tout simplement, avec le personnage. Vous voyez que tout autour du personnage, donc, on a environ exactement même 12 emplacements qui correspondent à tout ce qui concerne donc l'équipement de votre chevalier, de votre magicien, de votre archer. Donc les bottes, les bracelets qui vont bien, le homme, le plastron, etc. Tout ça, ça va rajouter bien sûr de la protection. Vous allez pouvoir gagner en esquive, vous allez pouvoir gagner en rapidité, etc. En point de vie. Les grands classiques du hack and slash avec les différentes aptitudes, donc classées en différentes catégories, aventure, vie, mana. Donc vous voyez que c'est assez complet, hein, déjà au niveau de la progression, ça a l'air relativement touffu. Donc là, mon petit personnage, il est déjà au niveau 4, prochain niveau à 4000. Tout en bas, donc grand classique du hack and slash avec les différents sorts, donc souris gauche, souris droite, la barre espace que l'on peut équiper également, avec différents sorts, pour l'instant je n'en ai pas suffisamment, et puis après donc ce qu'ils appellent le Slurm Reaper, donc c'est un petit peu, on va dire, le fil rouge du jeu, c'est-à-dire que c'est ce bâton que vous allez posséder qui va monter le niveau et qui va vous permettre justement, suivant vos personnages, eh bien, de pouvoir tout simplement vous apporter beaucoup plus de possibilités en termes de jeu. Au niveau des compétences, donc on peut faire évoluer les différents sorts, les différentes compétences. Donc vous voyez, c'est assez relativement déjà assez touffu, assez évolué. Je vais vous montrer un petit peu les différents sorts qu'on a. Enfin, là, c'est pas vraiment dès le départ, mais c'est à ce niveau-là, niveau 3. Donc on peut envoyer des projectiles, hein, les grands classiques du jeu de rôle, avec les projectiles enflammés, voilà. Hop, un petit peu sur Pedro. Et puis un que j'aime beaucoup, donc c'est celui-ci. Donc les volumes, les livres qui viennent s'écraser sur les ennemis, sur une zone particulière. Donc ça, c'est pas mal, ça fait pas mal de dégâts, c'est assez utile lorsque on est en mêlée et qu'on a énormément d'ennemis autour. Donc en vert, la barre de vie, donc
avec 765 points pour l'instant. Ça descend relativement vite. Et en bleu, bien sûr, la mana, c'est-à-dire que ce qui vous permettre bien sûr de pouvoir créer vos sortilèges. À chaque fois que j'utilise un sort, eh bien, vous voyez que la barre bleue diminue. Régénération automatique, heureusement, rapidement. En haut à droite, vous avez la carte, la possibilité de faire apparaître aussi la carte en surbrillance. Et on va entrer dans le cimetière tout de suite. Voilà, c'est parti. Donc, le kit de réparation, le cimetière. Niveau recommandé 8. C'est la place actuelle, etc. D'accord. Non, là, c'est pas vraiment où on va aller. On continue. On va démarrer en construction le cimetière. Pedro. J'ai laissé mon kit de réparation de pelle boussole par ici, mais je ne sais plus exactement où. J'ai besoin de quelques minutes pour m'en rappeler. Attention, des monstres arrivent! Eh ben dis donc. Alors les montées de niveau se font au fur et à mesure. Il faut se méfier énormément de ces archers là, puisqu'ils font énormément de dégâts à distance. On peut détruire les jarres. Alors la grande technique bien sûr c'est de bouger en permanence. Alors comme le jeu n'est pas terminé, il est loin de l'être, j'ai noté quand même un petit défaut au niveau des ennemis. Ils ont tendance à s'agglutiner tous ensemble, ce qui fait que si vous faites des cercles autour d'eux, eh bien vous avez la possibilité tout simplement de les agglutiner. Vous voyez là, ils sont séparés. Et si en fait je me fais, j'utilise cette tactique là de les regrouper, ils vont tourner sur eux-mêmes, ils vont tous se retrouver au centre, ce qui fait que je peux facilement les atteindre avec ma dégringolade de livres, puisque c'est le nom du sort. Ouais, donc là, en fait, vous voyez qu'ils sont énormément proches. Alors, les montées de niveau se font au niveau du personnage, on l'a vu, et également au niveau du Storm Reaper. Alors vous verrez qu'au fur et à mesure du stream, il y a quand même quelques défauts au niveau du jeu. Pour l'instant, on le voit peut-être pas forcément, mais quand vous avez joué plusieurs heures, vous allez vous rendre compte que la variété des ennemis est pour l'instant relativement faible. On a principalement deux ennemis différents, à savoir les archers. Et les squelettes. Après, ils ont ce qu'ils appellent une sorte de boss, de mid-boss, qui ne sont ni plus ni moins que des squelettes, on va dire, survitaminés, avec une dimension beaucoup plus grande en taille, une sorte de golem, qui ont une barre de vie assez importante, mais loin d'être insurmontable. Voilà, donc par exemple là, voilà. Là, il a environ 3655 de vie. Des ennemis qui ne sont pas forcément tous... Alors, je vais essayer de reconstituer ma mana. Toujours avec cette technique... La technique dite du rond-point. Je les entraîne vers Pedro. Alors Pedro, lui, s'en fout, hein. Franchement. Alors je vous rassure, au début du jeu, quand vous commencez, il n'y a pas autant d'ennemis. Là, on est déjà sur un niveau qui est un peu plus évolué, donc évidemment, ça grouille. Mais c'est pas le cas des premiers niveaux.
On vous laisse au début avec 7, 8, 10 ennemis, maxi, grand maximum. Pendant que j'étais sur les défauts, donc je vais peut-être continuer sur les défauts. Le jeu commence dans la ville. Alors, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a une narration qui est assez, assez précise. On sent qu'il y a quand même de l'écriture derrière. On a plusieurs personnages que l'on doit sauver dans le cimetière, que l'on ramène à la ville. Et chacun des personnages a des capacités différentes. Vous allez trouver une marchande, vous allez trouver quelqu'un qui va réparer vos armes, qui va les améliorer. Tout ce que vous allez faire en termes de sauvetage d'otages, on va dire, ça va vous permettre justement de pouvoir améliorer vos armes et améliorer votre personnage. L'inconvénient après, si vous voulez, au niveau du terrain de jeu, là, c'est que c'est assez répétitif, puisque même si le cimetière apparemment est peut-être généré de façon procédurale, je trouve que c'est quand même relativement, relativement répétitif en termes de décor, c'est-à-dire qu'on a toujours les mêmes tombes, les mêmes clôtures, les mêmes ennemis. Donc on aimerait avoir un peu plus, on va dire, de variété, même si on est, on le sait, sur un early access avec un jeu qui sera terminé probablement en 2022. Mais après plusieurs heures de jeu, même si le plaisir est là, on a quand même, malheureusement, je trouve, un côté répétitif qu'il faut passer, en fait. Il faut accepter, on va dire, de se coltiner toujours les mêmes personnages, les mêmes ennemis, dans des mêmes lieux. Il y a un côté aussi un petit peu redondant, enfin... Puisque Pedro, en fait, va vous demander d'aller récupérer un objet particulier. Je vais pas trop dévoiler le scénario non plus. Mais il s'avère que ce pauvre Pedro, ben, il est un petit peu atteint d'Alzheimer. Et du coup, vous allez faire un petit peu, on va dire, le coursier pour lui. Au début du jeu. Et alors une fois, deux fois, trois fois. Mais bon, au bout d'un moment, c'est... C'est relativement, relativement répétitif quand même. Je vais essayer de récupérer de l'armure là. Oh, mais tu veux pas m'embêter trop longtemps, toi, le magicien, là, avec ton... Tu vas recevoir une dégringolade de livres sur la tronche, tu vas voir. Tu vas rire. Je me souviens maintenant. J'ai ramené mon kit de réparation de pelle à boussole au village. Il y a quelques jours. Du coup,
Il est dans ma cabane. Donc nous pouvons rentrer au village, ok. Donc on a fait ça pour rien, mais non, parce qu'on a fait ça pour avoir du loot, bien sûr. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le maximum de choses qu'on puisse collecter. Et on va pouvoir rentrer au village, ce qui va me permettre de finir mon café. Le timing est parfait. La victoire, le kit de réparation, 207 ennemis vaincus contre des ennemis de niveau 8, d'accord. Alors à chaque combat, vous allez gagner ce qu'ils appellent des slorms, qui vont vous permettre d'augmenter donc votre arme principale. Ensuite, vous avez gagné de l'expérience, bien sûr, et vous avez gagné des goldus, c'est la monnaie du jeu. Équivalent des bitcoins de l'époque. C'est bon, j'ai récupéré mon kit et j'ai effectué des réparations sur la pelle boussole. Il ne nous reste plus qu'à atteindre la crypte des Macrypt. Pour déterrer le destructeur de sceaux indestructible et infranchissable. La crypte se situe au fin fond du cimetière et nous devrons traverser des zones très dangereuses pour l'atteindre. Alors c'est ce que je vous disais, donc en fait on grimpe de niveau, mais au tout début du jeu on est toujours dans le cimetière en fait, donc ce qui peut être redondant en termes d'ennemis, en termes de décor. Mettons-nous en route. Alors si tu permets Pedro, je vais quand même continuer à augmenter les capacités de mon personnage. Alors, donc là on a 3, 4, 5, 6, on a 8 attributs différents. Alors résolution, sauvagerie, fureur. Donc on peut investir des points comme ça. Et nous sommes déjà au niveau 11, le mage malicieux. Donc ça c'est nous, d'accord. Alors, hop, je peux afficher et enlever la carte. Ok, donc c'est parti, donc on va rentrer dans le cimetière à nouveau. Ah oui, non, avant d'entrer dans le cimetière, je voudrais quand même vérifier une chose au niveau de mon inventaire. Je voudrais voir alors ce qui est équipé. Donc moi j'ai une ceinture plus 25 équipée et j'ai trouvé une ceinture plus 39. Donc je vais prendre la plus 39 qui va venir éclipser l'autre. Encore faut-il que je la mette au bon endroit, voilà. Au niveau du plastron, donc j'ai une armure, alors elle est de meilleure facture, hein, donc on va la prendre. J'ai des gants plaqués légers, donc niveau 6, là ça change pas. J'ai un capuchon de régénération, alors là par contre j'ai un... Alors, ouais, c'est pas mal. Quel général ? Ah, je vais peut-être prendre ce... Ouais, ça, c'est bien, ça. Je vais peut-être prendre ce home, ce capuchon de régénération. Ceinturon vif, plus 39 en esquive, plus 1,5 vitesse de déplacement. Pour l'instant, je vais garder celui-ci. Lien de maille, brassard splendide. Ouais, je vais les changer. Alors vous voyez que les nouveaux équipements portent un point d'exclamation jusqu'à ce que vous passiez dessus. Les coussinets. Alors moi j'ai des vieux coussinets rouillés là. Je vais prendre ceci. L'armure plaquée, alors c'est celle que j'avais je crois, mais donc plus 36 vie max. Je vais garder les
équipement magique quand même. Alors, ceinturon vif, où est-il? Chose vive, donc là j'ai un niveau 3 face à un niveau 4. Je vais peut-être prendre celle-ci. Oui, parce que le ceinturon, oui d'accord, ça va faire ce... ça va être celui-ci, c'est ça. Ok, et là on a quoi? On a garde thoracique, dentelé mystique, plus 18 de dégâts, plus 136 de mana max, ça c'est pas mal. Ouais, pour l'instant je vais rester équipé de cette façon là. Tac. Ben, je crois qu'on est tout bon. Hein. Allez, c'est parti, on va pouvoir entrer dans le cimetière. Donc c'est quoi l'objectif? C'est d'aller dans la crypte, c'est ça? J'espère que je vais pouvoir vous montrer un autre décor que le cimetière, même si on a vu un petit peu de... Parce que là, le niveau était assez particulier. L'appel boussole s'agit, il doit y avoir une brèche dans les parages. Tu devrais la détruire. Tâche de ne pas tout abîmer. Ouais. Alors, on peut changer les sortilèges. Hein. Donc là, on a donc missile arcanique, vous voyez. Je peux mettre dégringolade de livre ici, clic gauche, du coup les missiles passent en clic droit, mais je peux choisir de garder les missiles en clic gauche, du coup je vais prendre par exemple... Alors il y a le rayon d'oblitération qui est pas mal aussi, je vais vous le montrer, et je vais garder donc les missiles arcaniques, en attendant d'avoir les autres pouvoirs. Par contre, est-ce que je peux... Ah, je peux équiper des trucs là, c'est cool. Je peux équiper donc mur des augures, je peux équiper distorsion temporelle ou barrière des arcanes. Par contre, mur des augures. Ok, donc ce qu'ils appellent la compétence de soutien. Bon. Sinon, je vais essayer peut-être distorsion temporelle. Bon, écoutez, on essaiera de tous les utiliser. Ça fait quoi en fait ce truc là? Ok, barrière des arcanes. Et ça c'est quoi, mur des augures? D'accord. En route. Ok. Oula. Alors, il y a énormément de loot. Très rapidement. Mince, j'ai mis la barrière juste... j'ai mis la barrière juste après, quoi. Ok, donc c'est moi, c'est ma faute, j'ai fait n'importe quoi. Donc, mais ça sert à quoi cette barrière en fait? Ah oui, d'accord, ça les empêche de... Ok, donc c'est juste un ralentissement, quoi. Ouais, c'est pas terrible. Hein. Distorsion temporelle. Écoutez, on va découvrir ça ensemble. Oula. Oula, alors là il y a pas mal d'archers. Allez, le voilà, le fameux rayon d'oblitération. Ça consomme énormément. Hein. C'est un sort qui consomme énormément. Une sorte de rayon laser. Par contre, c'est cher.
Alors, je vais juste changer parce que je préfère le sort des gringolades de livres, que je trouve beaucoup plus efficace à distance. Vous avez vu la différence entre dégringolade de livres et puis le rayon d'obitération sur il y avait pas mal d'archers qui étaient autour de moi là. Du coup j'ai pu les. Alors, troisième type d'ennemis, ces espèces d'assassins en capuche. Et là, quand ils sont regroupés, c'est vraiment très bien, quoi. Des gringolades de livres, vous voyez, le cercle dans lequel évolue le sort. Ça permet vraiment de faire pas mal de dégâts chez l'ennemi. Et même à distance, hein, je suis vraiment à l'entrée du portail, là. Et puis, je peux tranquillement les aligner. Pareil pour l'archer. On va récupérer ce truc là. Alors je bouge pas assez, hein. Je pense que je suis pas assez mobile. Oh punaise. Ça grouille là. Je sais pas si je fais une bonne chose de me mettre dans ce cul-de-sac là. Parce que si jamais il y en a qui arrivent. Allez, on va envoyer des projectiles. C'est pas grave, la brigantine de maille, je la récupérerai après. Il n'y a que maille qui maille. Brigantine de maille, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, je le prends, je le prends. Je pourrais toujours le vendre plus tard. Voilà. Lisez, lisez, c'est bon. J'encourage la lecture. J'encourage la lecture auprès de la population des cimetières, moi. On n'a pas parlé de la musique, mais la musique est plutôt sympa, moi j'aime bien. Même si on. Enfin bon là c'est vrai que j'ai mis pas mal de. Je sais pas si je peux. Menu principal, contrôle, options, les options peut-être. Volume des effets, volume général, volume de la musique. Je vais peut-être baisser les effets, comme ça vous aurez un peu plus de. Ça sert à rien qu'on ait forcément les effets de combat à chaque fois. Comme ça au moins on a la musique. C'est plus sympa d'avoir la musique en fond que d'avoir ma voix ou le bruit des sorts. Comme ça vous aurez l'impression d'être à Halloween. Quoique la météo d'après ce que j'ai vu apparemment c'est celle justement d'Halloween. Donc d'où le stream. Oh punaise là je me retrouve avec plein d'assassins. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Mais qu'est-ce qu'ils ont? Je peux pas, j'ai ça bas. Je peux pas, j'ai ça bas. Tac, 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 allez, hop. Et allez, la technique circulaire. Le bibliothécaire en furie, quoi. Tenez, allez, je vous balance des bouquins. Lisez. Lisez. C'est pas possible. Je vous ai lire. Alors c'est ce que je disais au niveau des décors. Hein. Donc vous avez les gaslights, les lampadaires, donc les tombes, les barrières, etc. C'est un petit peu répétitif pour l'instant. Voilà. Donc si le développeur pouvait un petit peu, on va dire. Rajouter, on va dire, des décors, hein, je veux dire, quelque chose qui me peut plus, qui sont un peu plus, j'espère que je me suis pas trop bloqué, là. Ah, capuchon rouillé, ça a l'air pas mal, ça. L'expérience du hack and slash, avec le, on va tout de suite,
le réflexe hack and slash avec le hop capuchon rouillé, mais j'ai déjà un capuchon rouillé. Alors, c'est quoi la différence? Le mien, donc niveau 5, là c'est niveau 6. 14 dégâts de... Ok... Ah, c'est pas mal, ouais. Bon, pour l'instant je vais rester comme ça. Le plastron, pareil. Brigantine, ça va être pareil. Ah, et ça c'était quoi déjà? 73 d'armure, niveau 5, niveau 9. Ah, c'est pas mal ça, oh, c'est pas mal ça. Capuchon de siège de régénération. Par contre, ça me régénère de la vie. Non. Bon, pour l'instant, je vais rester comme ça. J'aime bien tout ce qui régénère. Petite musique à Danny Elfman de Tim Burton. Les musiques sont sympas, c'est important dans le jeu quand même d'avoir une musique, parce que quand vous jouez à un titre pendant 15-20 heures, si vous avez une musique qui est horrible, bah vous la coupez en fait, alors que là non. En plus je baigne dans la musique gothique moyenâgeuse, on va dire, parce que j'ai fait les piliers de la terre donc il y a quelques jours. Je vous l'ai présenté d'ailleurs sur la vidéo précédente. Et cette musique qui se ressemble un petit peu. Désolé pour les puristes, hein, j'ai une connaissance en musique moyenâgeuse, ne sont pas extraordinaires non plus, mais j'apprécie quand même l'époque. À propos, si vous aimez ce genre de musique, je vous conseille donc l'OST de A Plague Tale. Qui est composé par Olivier de Rivière. Bim, je me suis pris une flèche de l'archer. Olivier de Rivière, donc Plague Tale, vous recherchez sur YouTube, vous allez tomber sur une merveilleuse OST du titre qui est sorti, je crois, en 2019 sur console. C'est un jeu qui est développé par le studio Asobo de Bordeaux. Un jeu qui se déroule également au Moyen-Âge. Bien, dis donc, on n'en sort pas entre les pieds de la terre et le hack and slash, le Moyen-Âge, donc en pleine période de peste, d'où le titre Plague Tale. Et on incarne une adolescente qui doit protéger son jeune frère et qui doit traverser donc une partie de la France avec des villages infestés par la peste, donc avec une très belle modélisation de rats au niveau de ce jeu. J'avais fait une ou deux vidéos d'ailleurs sur la chaîne sur Plague Tale. Le jeu est vraiment sympa. Puis c'est encore un jeu français, hein, tout comme ce jeu-là, hein, puisque Stormlancer est un titre développé par deux Niçois. Donc on a des développeurs de talent en France. Double shot pour moi. Ok, donc là on a le grand classique avec l'espèce de mid-boss, comme je disais. Alors je vais essayer de l'attirer à part. Thank you.
Alors, les squelettes sont pas particulièrement difficiles à avoir. Par contre, il faut se méfier des archers. Alors là, donc, il y en a, pour l'instant, il n'y en a pas, mais... On va essayer de se débarrasser de ce petit boss. Ah, ça, c'est le grand classique du hack and slash, hein, c'est-à-dire qu'on tire en reculant. Enfin, notamment avec les personnages qui ont des attaques, on va dire, à distance. Hein. Magicien, archer. Allez, un dernier petit coup pour la route. Un dernier petit livre pour la route. On récupère les Goldus. Qu'est-ce que c'est que ce truc bassiné léger? Ok. Ah, merci. Alors, ça n'en finit pas, hein. C'est vraiment du hack and slash. Ah, les voilà, donc du coup, on parlait d'eux, les archers. Avec de très belles tombes gothiques. Alors, je crois qu'au début, en fait, j'avais. Je dois avoir quelque part. J'avais récupéré un livre audio. Parce que quand j'ai pas le temps de lire, je mets ça dans la voiture en fait et j'écoute le livre. Et j'ai un livre audio quelque part sur mon PC de Ken Follett où justement il raconte en 2019, en mois d'avril, ben ça fait 2 ans maintenant, au moment de l'accident donc à la cathédrale donc Notre-Dame de Paris, il expliquait justement que l'architecture donc en ogive ne s'appelait pas gothique, mais s'appelait tout simplement architecture en ogive. Et elle a pris le nom de gothique bien après, puisque l'objectif c'était de faire entrer plus de lumière. Donc ils cherchaient un moyen de faire entrer plus de lumière au niveau des cathédrales. Et ils ont trouvé cette forme-là justement pour avoir, suivant la course du soleil, ben, toujours la même lumière. Puisque l'objectif était d'éclairer au maximum ces vitraux. Et donc je vous conseille aussi, si vous avez l'occasion d'écouter le livre, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, il faut chercher Ken Follett, F-O-2-L-E-T, et vous cherchez Cathédrale Notre-Dame, ou quelque chose comme ça. Je crois que ça a été écrit il y a moins de 2 ans, et donc il avait été extrêmement touché par l'incendie de Notre-Dame, donc on est au mois d'avril 2021, donc c'était exactement il y a 2 ans. Et ça lui permet justement, lui, de reprendre l'historique un peu de... Qu'est-ce que c'est que ces assassins-là? Bon, moi, je mets le Zbeul dans cette partie du cimetière, hein, désolé. Alors, tandis que le Slorn Reaper a atteint niveau 7, ça me fait une belle jambe. Eux, je ne les aime pas du tout, ces archers, parce qu'ils ont une capacité à viser et à tirer, mais alors une vitesse très assez rapide. C'est pour ça que je me débarrasse d'eux en tout premier, laissant les squelettes. Voilà. Absolument, je me débarrasse d'eux. Alors, vous avez vu qu'au niveau du loot, il y a pas mal d'emplacements, hein, puisqu'on est à 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc je crois qu'il doit y avoir 64... ouais, ça fait 64... c'est pas toujours le cas hein, dans les hack and slash, parfois vous avez 12, 16, 20 emplacements. Là, vous avez quand même 64 cases possibles au niveau des emplacements. Donc il n'y a pas vraiment ce souci de dire « Ah ben non, mais finalement, je vais prendre telle cuirasse, je vais poser l'autre. » Enfin, le coffre est relativement large, quoi. C'est très irréaliste, mais bon. Allez, tiens, un livre de plus pour toi. Ah, mais ça va pas tuer. Alors, je crois que... Ouais, ils sont beaucoup plus résistants que les archers.
ces squelettes. Les archers sont plus rapides en termes de pour dégainer, mais ils sont plus fragiles au niveau de leur classe d'armure apparemment. Les squelettes sont plus résistants, mais ils sont plus lents. Du coup, je sais plus où j'en suis au niveau de mon nettoyage de zone. Là. Que je remonte. Hop là, d'accord. J'aime bien en général tous ces sortilèges où on est entouré puis on se retrouve avec un cercle, que ce soit un cercle de feu ou que ce soit une dégringolade de livres. Ou... J'ai toujours apprécié ces espèces d'attaque, on va dire, passive. Oh punaise, là, ça va être la folie là. Ceinture en vif, ma foi, cela m'intéresse. Ah non, 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 mais il y a lui là, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? D'accord. Ok, coussiné de maille. Bon, après tout ça, hein, tout ce qui en plus, ça vous allez pouvoir le vendre. Ça vous rapporter des goldus, etc., que vous allez pouvoir échanger avec des différentes armes, etc. Voilà. Et vous voyez que les niveaux sont relativement longs. Hein. Après, il faut apprécier le style pixel art. Il y a des gens qui sont vraiment réfractaires à ça. Moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. C'est ce qui me dérange un petit peu peut-être dans ce Stormmancer, c'est peut-être la vue. J'aurais préféré un peu plus à l'isométrique. Là, on est vraiment en plongée complète, quasiment au-dessus des. Alors, pas toujours, hein, mais c'est vrai que la perspective est bizarre, parce que parfois, vous avez l'impression d'être vraiment au-dessus, et puis... Musique très, très... très, très militaire, façon marché militaire. Alors à propos, si vous aimez la musique et le rock en particulier, je suis tombé par hasard sur une chaîne YouTube qui a démarré, il me semble, pendant le deuxième confinement en novembre 2020. Ça s'appelle « Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ?» sur YouTube. « Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ?» Et en fait, ce sont trois musiciens qui reçoivent des interprètes, donc... c'est une sorte de jukebox, c'est-à-dire que tous les mardis, je crois que c'est les mardis et les samedis, il faut regarder sur leur site, vous tapez « qu'est-ce qui vous ferait plaisir » sur YouTube, je sais que les mardis à 18h30, donc ils font pendant environ 2 heures des streams en direct, où les gens en fait sur le chat demandent des morceaux de musique. Donc vous allez avoir du Scorpion, vous allez avoir du Guns N' Roses, vous allez avoir même du Led Zeppelin pour les plus anciens, du Metallica, donc du rock, hein, du rock, du metal, soft metal on va dire même. Et c'est vraiment sympa parce que ça devient un rendez-vous assez régulier 2 fois par semaine. Les types jouent dans leur mansarde, en fait, ils jouent dans leur grenier. Mais c'est assez bien fait, c'est une ambiance très très cool. Ça s'appelle donc « Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ?» Ils n'ont pas beaucoup d'abonnés, hein. Je crois qu'ils sont à moins de 2000 abonnés. Ils ont autour de 1600 abonnés. Donc à l'occasion, si vous voulez vous abonner, c'est gratuit. Et puis, enfin, tout ce qui au niveau culture aujourd'hui peut être soutenu, eh bien, toutes ces initiatives sont bonnes à prendre. Dans la limite, bien sûr, de la qualité, voilà. Alors que j'atteins le niveau 12. J'atteins le niveau 12. Alors, ça fait quoi si je fais ça? Je vais augmenter quoi? Je vais augmenter ma détermination. La musique s'est calmée. Oh, punaise. Mais...
l'assassin. Donc trois types d'ennemis, hein, dans squelette. Squelette, archer et assassin. Avec leur couteau là, couteau entre les dents. Et l'OST qui repart. Hein. Alors quand on arrive dans cette zone-là, en général, c'est la fin du niveau. Donc vous arrivez, vous avez déclenché l'espèce de symbole. Et puis là, c'est parti, ça va être la fiesta. Donc je me prépare. Parce que là, ça va être... il va y avoir pléthore d'ennemis, vous allez voir. Avec un boss en général. Vous voyez qu'il y a des barrières de... Ah oui, mais c'est vrai que j'avais mon sort, moi aussi, de barrière. Là, je ne sais plus quoi, là. Ah, je l'ai, je... Parce que lui, je crois qu'il se régénère, hein, c'est ça? Ah, d'accord. Oh, putain, il y a deux... Mais pourquoi? Ah, c'est lui qui régénère, voilà. C'est lui qui régénère. C'est lui le problème, en fait. Régénère lui aussi. Une sorte de magicien archer là. Alors j'aime bien le. Dans les hack and slash, en fait, ils vont être souvent les. Je crois qu'on peut désactiver hein, le. La signification de chaque arme, au bout d'un moment, sur l'écran, ça fait beaucoup d'écriture. Ça masque un petit peu l'action. Ok, donc armure de maille. Il n'y a que maille qui maille. Je sais, je sais. Allez, on récupère les Goldus. Libéré, délivré. Palstrang, chambellan. Merci de m'avoir sorti de ce pétrin. On se retrouve au village. Libéré, délivré. On se retrouve au village. Ok, ça va. Pas de soucis. Allez. Bon. Une brèche fermée. Là, à chaque fois que vous allez sauvegarder, que vous allez sauver un personnage, vous allez faire ce qu'ils vous appellent fermer une brèche. $428. Un villageois est de retour en ville, Palstrang. Bon, qu'est-ce que tu veux, Pedro, là? Tu veux des projectiles ou tu veux un livre? Tiens. Tiens, je te prête mes livres. Morose et ce crépuscule. Continuons vers la crypte des Macrypts. Oui, j'aimerais bien continuer vers la crypte des Macrypts, sauf qu'en fait, à chaque fois, c'est la même chose. Donc, oh non, il va falloir que je nettoie tout ce truc-là. Donc, ce que j'ai nettoyé, donc ça apparaît en rouge. Une espèce de losange rouge, là. Et donc... ah oui, d'accord. J'imagine que la crypte est là-bas. Donc, il va falloir que je me tape encore tout ce truc-là. Bon, écoutez, ça va devenir extrêmement long. Je vais pas vous infliger tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le stream ici, je vais sauvegarder. On va laisser, on va dire, au revoir à Pedro. Ce que je peux faire éventuellement pour terminer, c'est vous montrer... Alors, est-ce que sombrer la nuit? Oui. Je vais vous montrer un petit peu le village, parce que le village, au moins,
ça vous permettra d'avoir une autre vision de la direction artistique du jeu. Oui, c'est sympa quand même, hein, ça fait penser à un RPG. Donc là, on a Gemma la protectrice qui nous permet justement d'acheter, c'est celle qui s'occupe de tout ce qui est négociation. Voilà, donc on peut par exemple décider de vendre des objets que l'on a trouvés, donc ça nous rapporte des goldus, de l'argent. Qu'est-ce qu'on a comme autre personnage sympathique dans le jeu? On a le professeur Géranium qui lui s'occupe de votre Stormreaper, voilà. Ça c'est le roi, je crois. Voilà, le roi d'Adréar, puisque la ville s'appelle Adréar. Et on a récupéré notre chambellan. Je m'appelle Palstrang, je suis un pudding au service du roi. En temps normal, je m'occupe de l'intendance et je veille au bon fonctionnement du village. Comme les autres puddings, j'ai des talents de slorm artificier. Et avec l'aide de la pelle boussole de Pedro, je pense être en mesure de t'assister. Ah, mais c'est bien ça. Si ça t'intéresse, je peux t'indiquer des zones où la présence d'ennemis est particulièrement forte. Elles doivent être importantes pour Homme Agad s'il immobilise des troupes. Si tu le souhaites, tu pourras alors te rendre à l'endroit indiqué et reprendre le contrôle de la zone. Viens me voir lorsque tu veux partir en expédition. Je veux partir en expédition. Tu veux jeter un œil aux expéditions disponibles? Oui. Alors, expédition. Les expéditions vous permettent de vous rendre dans des endroits inexplorés et qui changent continuellement. Dans ce menu, vous allez choisir où vous trouvez et appliquer le niveau de difficulté qui vous convient. Ok, champ de bataille, choisir le niveau de colère. Voyager à travers différentes zones, d'accord. Champ de bataille, tac, récompense, démarrer, ajouter des cataclysmes. Au début de nouvel étage, Brian dessinera un sou de protection au sol. Au final, ça y est, je me suis pris déjà des flèches, quoi. Ouais, ok, donc c'est des niveaux qui sont générés de façon aléatoire. Bon, ça y est, j'ai compris. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir au menu principal. Alors par contre, punaise, je peux pas sauvegarder là. J'espère que ça va sauvegarder. Parce que j'ai eu des petits soucis avec la sauvegarde des pieds de la terre, en fait, ils ont une méthode de sauvegarde assez particulière. Ok, bah écoutez, je vous laisse ici, je vous dis merci d'avoir tenu le coup jusqu'ici, et j'espère que ça vous aura plu. Donc Slormancer, un jeu qui est en accès anticipé sur Steam, développé par deux Français, deux Niçois, passionnés par le hack and slash. Si vous aimez Diablo, si vous aimez, si vous avez détesté Torchlight, non mais Torchlight était, Torchlight 1 était bien à l'époque, mais aujourd'hui c'est vrai que c'est un petit peu dépassé, même s'ils ont sorti le 1, 2, 3. Donc si vous aimez le hack and slash de façon générale et si vous n'en pouvez plus d'attendre Diablo 2 Resurrected, eh bien pour patienter, je vous conseille Slormancer. Déjà pour la musique aussi et puis pour la frénésie du hack and slash. A très bientôt, au revoir.